Stacy Cheeky Icy Thing. Ooh. Ah, ça a l'air bien. Putain, je me demandais ce qu'elle devenait Stacy, bah voilà. La chanson a l'air grave cool, mais j'attends de voir le refrain, j'ai un peu peur en vrai. Mais l'instru est trop marrante, elle est un peu bouncy, j'aime trop. Bon, par contre, cette scène-là avec les glaces, c'est pas giga joli, on va dire. C'est un peu kitschouille, mais bon. Ah, trempé d'alcool, là. J'aime trop! J'aime bien parce que ça enchaîne et tout. Et la choré est trop marrante. Eh, c'est grave une chanson cool! Pourquoi on m'a pas prévenu? Bon, les paroles, ça a pas l'air d'être... Voilà, de la grande poésie, mais en vrai, on s'en fout, quoi. En même temps, c'est quand même, c'est trop drôle. Eh, j'aime trop la chanson, c'est trop bien! J'aime trop, vraiment j'aime trop. L'instru est trop cool et tout. Et du coup, il y a un refrain sans avoir de refrain, mais c'est pas trop un problème. Cette scène, c'est du gros n'importe quoi, mais bon. Et la choré est trop marrante! Mais c'est trop bien! Cheeky, I see things. Ça y est, je l'ai en tête. Avec les cubes de glace là qui tombent du ciel, c'est trop n'importe quoi. Mais c'est trop marrant! Ça dure pas assez longtemps, 2 minutes 50, c'est pas assez! Eh! Alors, franchement. Peut-être une popular opinion, mais c'est peut-être ma préférée de Stacy. Hein. Faut que je regarde tout ce qu'elles ont sorti depuis le début parce que je me souviens plus de tous les titres. Mais potentiellement, c'est ma préférée de Stacy. Ah non, celui où elles sont dans un train qui était grave bien là. Ouais, Run to You, Run to You. Ah, Run to You est grave bien aussi. En vrai, ça se joue avec Run to You. Run to You et Cheeky Icy Thing. Les deux, je kiffe. Putain, Run to You, mais j'aimais trop cette chanson là. Elle était grave bien. Après, je suis. Franchement, je suis basique. Hein. Vous voyez, moi, j'aime toujours les mêmes trucs. Après, je dis ça parce que vous aimez pas toujours les mêmes trucs aussi. Hein. Bon, vous savez quoi, on va donner une note du coup. La chanson, je mets un 4. C'est pas un 5, genre c'est pas genre giga bop, mais c'est bop. Voilà. Genre c'est pas giga bop, mais c'est quand même super bien. Moi j'aime beaucoup. C'est stylé. En vrai, j'ai presque. Si je pouvais mettre des 4,5, je mettrais un 4,5. Mais bon, si c'est 4,5, c'est 4. Bon, le MV, c'est le truc que j'ai le moins aimé, je vais mettre un 2. Il était divertissant, mais il y avait quand même beaucoup de scènes, un peu n'importe quoi. Et bon. C'est pas le meilleur MV de Stacy, on va dire. Elles ont fait mieux. La choré, j'ai trop aimé la choré. Un 4. Trop aimé la choré. Trop marrante. Il y avait des bonnes petites... bons petits mouvements bien rigolos. Voilà. En originalité, moi, j'ai un 4 aussi. Je trouve ça genre giga original. Je trouve que la composition de la musique, la rythmique et tout, le style, les petits, le fait que ce soit un peu bouncy, je trouvais ça assez rigolo. Et en attention grabbing, hook et styling, on va mettre un 3. Il y a mieux, il y a pire. Voilà, c'est au centre, balle au centre, on va dire. Le sport, c'est fini. Du coup, ça nous fait 17, si je dis pas de bêtises, parce que 4 et 2, ça fait 6, plus 4, ça fait 10, plus 4, ça fait 14, plus 3, ça fait 17. Moi, je trouve que c'est un bon petit comeback pour Stacy. Cheeky I Stephen. Et dire qu'en Corée, elle est super critiquée car trop simple, il me semble. Ces gens, ils sont chiants, là. Enfin, quand c'est simple et que ça a l'air débile, genre vraiment, genre level de gros naze, bah oui, c'est. On sait très bien que les idols peuvent faire mieux que ça. Mais quand c'est juste des petits mouvements simples mais qui sont rigolos et qui vont bien avec le son, etc., moi je trouve que c'est genre, il n'y a aucun problème, quoi. Je veux encore des bonnes surprises comme Stacy.